Provenance du Ghana, le ministère des Ressources animales appelle au respect des textes. Vous les entendrez dans ce journal. Des centaines d'étudiants dans la rue pour s'opposer au système LMD dans les universités de Ouagadougou et de Ouagadougou. Ils ont marché ce matin sur le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs pour remettre une plateforme au ministre. C'est demain que Alexis Kabore défend sa ceinture WBC au Palais des Sports de Ouagadougou. Ce matin, les deux challengers ont passé avec succès la visite médicale. Place au combat vendredi. Les détails tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Attention, il y a des œufs qui rentrent sans autorisation au Burkina. Les services des douanes ont mis la main sur deux cargaisons de 12 tonnes en provenance du Ghana. Ils les ont tout simplement détruits avec le soutien des autorités des ressources animales qui appellent la population à la vigilance. Ismaël Diloma Sirima. 183 cartons d'œufs ont été saisis par la brigade mobile des douanes de Manga. Les 26 et 27 avril passés, deux commerçants ont tenté de faire entrer au Burkina Faso près de 160 000 œufs en provenance du Ghana, alors que les importations de produits aviaires de ce pays sont interdites depuis février 2015. Depuis 2006, le Ghana n'a jamais entamé des procédures d'autodéclaration des pays indemnes de grippe aviaire. Et comme ils ne l'ont jamais fait, ça veut dire que la grippe est devenue endémique dans leur pays. Et comme c'est endémique, on ne peut pas autoriser que ces produits qui sont susceptibles d'envoyer la maladie chez nous soient distribués dans notre pays. Du point de vue réglementaire également, il est dit à travers l'arrêté 2006 que l'importation des produits aviaires des pays infectés était interdite. Estimés à environ 12 millions de francs CFA, les œufs saisis ont d'abord été cassés sous l'œil vigilant des forces de l'ordre avant d'être incinérés. Une incinération qui s'est faite aux frais des deux importateurs, comme le veut la loi. Mais le constat est que les deux cargaisons sont arrivées sans autorisation d'importation, sans certificat sanitaire, qui sont obligatoires pour toute importation de produits animaux ou de produits d'origine animale en provenance des pays étrangers. Parce que c'est sur la base de ces certificats que nous estimons que le produit peut être consommé ou il ne peut pas être consommé. Le département des ressources animales invite à cet effet les importateurs à respecter les règles en vigueur en matière d'importation de produits animaux afin que leurs investissements ne partent pas en fumée. On le sait, l'économie nationale a connu un fléchissement en 2014. La revue annuelle de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, vient de le confirmer. La cause à la crise d'octobre dernier, les différentes parties ont travaillé sur les activités à mener en 2015. Driss Assery. Le référentiel de développement, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, dont le Burkina s'est doté pour la période 2011-2015, a pour objectif, entre autres, de réaliser un taux de croissance de 10% par an. Force est de constater que l'accélération de la croissance n'a pas été au rendez-vous en 2014. Le taux de croissance est estimé à 4%. Plusieurs facteurs expliqueraient cette faible performance. En gros, des difficultés constantes ou disons récurrentes empêchent donc la réalisation de ces actions. Et l'année 2014 a un peu exacerbé ces difficultés avec la crise sociopolitique. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a des difficultés au niveau du marché public, au niveau des capacités de budgétisation, d'exécution, au niveau de l'anticipation, les ressources financières qui ne sont pas toujours mises à temps, etc.
Après avoir mis en exergue les faiblesses et les difficultés, les différents rapports donnent à constater le fait que les taux de réalisation des mesures et actions peinent à dépasser 60% chaque année. À quelques mois de l'échéance du premier cycle de la SCAD, les défis restent les mêmes. Ensemble, nous notons l'engagement à améliorer les faiblesses constatées au niveau de la gouvernance des marchés publics et au niveau du processus de mise à disposition des ressources, mais également de tout ce qui concerne le suivi et évaluation au niveau des cadres sectoriels de dialogue. Au niveau du secrétariat technique national, nous avons vu qu'il y a une amélioration de l'accompagnement du secrétariat. C'est ça qui explique la qualité. Afin de permettre à la SCAD d'atteindre ses objectifs, le gouvernement s'engage à réunir les conditions pour permettre aux agents économiques d'investir dans un climat de confiance et de sécurité. Nous allons travailler à ce que le secteur privé joue pleinement son rôle. Et nous allons voir aussi dans le secteur minier principalement, qui aujourd'hui constitue bien sûr le principal levier de développement du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour encourager donc les investisseurs dans le secteur minier à jouer un rôle donc dans la croissance de notre pays? Pour la matrice de la SCAD 2016-2018, les perspectives se déclinent comme suit. La mise en œuvre effective des mesures et actions prévues à cet effet, le renforcement de la gouvernance locale, l'amélioration de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'assainissement en milieu rural, la création d'emplois et la promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes et la mise en œuvre d'actions fortes en matière de sécurisation du pays. Le même constat a été fait par des experts du Fonds monétaire international qui ont relevé une croissance de 4% en 2014 au Burkina. Ils prévoient une hausse en 2015 qui ira à 5%. Tout cela a été révélé hier au cours d'un point de presse à Marguerite Douaniosou. Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, reste tributaire d'aléas qui ralentissent les performances économiques. Pas mal de défis sont encore à relever pour atteindre une croissance forte, stable et durable surtout. Le plus important étant de travailler à la transformation même de l'économie. Nous avons un secteur, en tout cas agricole, qui tire beaucoup la croissance, qui est le secteur qui emploie même le plus grand nombre de Burkinabés. Mais ça part bon, dans la création de richesses, donc dans les produits intérieurs bruts, devrait aussi être en adéquation avec ce grand nombre-là, mais ce n'est pas le cas. Et autre chose, cette agriculture-là est également tributaire des aléas climatiques. Et pire, et les prix des produits que nous produisons ne sont pas fixés en interne ici. On retiendra du rapport semestriel du FMI sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne une croissance de 4,5%, mais surtout une bonne nouvelle pour les pays les plus pauvres qui devraient enregistrer une croissance d'au moins 6,5%. Des tendances encourageantes, mais qui devraient résister au vent contraire. Il y a aussi un choc important, la chute du prix du baril de pétrole de 50%, qui pour les pays exportateurs de pétrole est un choc très sévère. Le taux de croissance pour 2015 de 4,5% est en fait en bas de la fourchette connue ces dernières années. Et il sera important que les pays d'Afrique font face à ce choc. Le lancement de ce rapport est le lieu de nourrir la réflexion sur les perspectives de croissance et les mesures envisageables pour l'Afrique subsaharienne pour tirer profit de ces bonnes prévisions de croissance économique. L'économie ouest-africaine bat aussi de l'aile, mais là, la cause serait l'insécurité dans la région. En visite chez le président Andou Fasso, président de la transition, le président de la commission de l'UEMOA a abordé la question. Ils ont aussi parlé du processus de transition en cours au Burkina. Ernest Kambiré. De l'Union économique et monétaire ouest-africaine est allé rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Ensemble, les deux personnalités en ont profité pour échanger sur ce qui est en train d'être fait comme travail à la commission de l'UEMOA et sur le processus de transition en cours au Burkina. Donc j'étais venu lui rendre compte et un peu bénéficier aussi de ses conseils sur les programmes et projets que nous sommes en train de faire. Et lui manifester aussi tout le soutien de l'UEMOA, toute notre solidarité pour la conduite de cette transition. Et nous souhaitons que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions pour le plus grand bénéfice, au plus grand bénéfice des de populations du Burkina Faso et au-delà des populations de notre Union. Parce que comme vous le savez, le Burkina est un membre actif de notre Union.
Tout ce qui touche le Burkina touche l'UEMOA, touche tous les pays de l'UEMOA. Et donc, c'est avec bonheur que nous voyons que les choses se déroulent de la manière la plus aisée. La situation sécuritaire de l'espace sous-régional, principale contrainte à la bonne marche de l'Union monétaire, a été également évoquée par Michel Kafando et Cheikh Aghibou Soumaré, quand on sait que certains pays membres comme le Niger et le Mali sont aujourd'hui engagés dans des efforts de guerre contre les islamistes au lieu d'être sur le terrain du développement. Avec la situation auquel nous sommes confrontés avec Boko Haram, et nous tenons ici à féliciter et à encourager le gouvernement nigérien qui est en train de se battre sur ce front, qui est en train de déployer tous les efforts pour la protection des populations également, mais également pour l'annihilation de ce fléau qui aujourd'hui constitue une contrainte même au train que nous avions, que nos économies avaient pris. Si vous regardez, le Niger est en train de faire, on a imposé au Niger des efforts de guerre. Or, ces efforts de guerre auraient pu aller au développement du peuple nigérien, mais également du peuple, des peuples de la sous-région. Malgré ces quelques difficultés d'ordre sécuritaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se porte bien, très bien même, avec des tendances macroéconomiques au beau fixe, a laissé entendre le président de la Commission. Autre point de l'actualité, ce soir, les étudiants des universités de Ouagadougou et de Ouagadou sont contre l'application du système licence master doctorat dans la formule actuelle. Ils l'ont fait savoir ce matin à travers une marche sur le ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Ils sont allés remettre une plateforme au ministre Adama Koulibaly. Terrain d'Abou Boukari à l'université de Ouagadougou, c'est le point de rassemblement des étudiants des universités de Ouagadougou et de Ouagadou à l'appel de l'ANEB, Association nationale des étudiants du Burkina, pour une marche meeting. Puis, c'est le départ pour le ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Là, ils vont remettre au professeur Michel Filiga Savadogo leur plateforme revendicative dont le point focal est la suppression du système LMD, licence, master, doctorat. Nous vous transmettons cette lettre et nous osons espérer que de façon diligente, des réponses concrètes pourront être apportées à nos revendications. En tout cas, j'accuse réception de votre message qui sera soumis au gouvernement, qui certainement va lui accorder l'attention nécessaire. De toute façon, il en était déjà question hier au Conseil des ministres. Ce système est inopportun dans le contexte actuel selon les étudiants qui veulent pour preuve 46 admis sur 2629 étudiants en licence SVT pour l'année académique 2013-2014 à l'université de Ouagadougou. Il faut qu'on suspende le système LMD parce qu'on est en train de tuer l'intelligence des étudiants. L'ancien système avait 3 ans pour avoir la licence, maintenant on fait 6 ans pour avoir la licence. On n'a pas d'envie, on a besoin de venir à 4 heures du matin, on n'a pas de place assis. La projet, c'est une promotion de 2600 étudiants, il y a 46 admis. Toujours selon l'ANEB, les conséquences de ce système LMD en sus du taux d'échec élevé, il y a le chevauchement des calendriers universitaires, l'impossibilité de renouvellement des allocations d'étudiants victimes des 10 calendriers. Avec cette action de ce matin, les étudiants souhaitent une oreille attentive du ministre des enseignements secondaires et supérieurs pour un traitement diligent de leur plateforme revendicative. Face à ces difficultés, justement, l'UEMOA veut renforcer ce système licence master doctorat à travers les technologies de l'information et de la communication. Un projet de l'Union monétaire offre des salles de TIC à l'université de Ouagadougou qui vient d'en bénéficier. 35 autres universités de l'espace communautaire devront en profiter. Yolande Lompo. Les TIC. Pour appuyer la mise en œuvre de la réforme licence master doctorat dans les universités de l'espace UEMOA, cela est désormais chose faite. À la direction de la promotion des TIC, ces étudiants d'un jour ont pu constater de visu les atouts qu'offre le projet PARTIS aux professeurs et aux étudiants. Une salle informatique comme celle-ci, l'université de Ouagadougou en compterait 8, équipée de 200 ordinateurs en plus de 12 serveurs de grande capacité et d'un scanner pour la numérisation des documents de grande taille. Ce qui fait un investissement global d'environ 450 millions de francs CFA. On a
la possibilité de retrouver toutes les informations dont on a besoin dans sa formation. Et ça, c'est en pensant aux étudiants, mais les enseignants aussi doivent faire des recherches. 35 universités organisées autour de 8 universités principales des pays membres de l'UMOA bénéficieront de près de 6 milliards de francs CFA dans le cadre du projet PATIS, financé par l'UMOA et exécuté par l'UNESCO. Avec la technologie maintenant, on peut faire les choses à distance et apprendre comme les étudiants à l'Europe. Et donc pour moi, sur la question des perspectives, cet projet a complété la première étape. La deuxième, c'est arriver à une création d'universités virtuelles dans l'espace UMOA. D'ores et déjà, pour la pérennité des équipements, les questions de maintenance et de renforcement des capacités des étudiants seront à l'ordre du jour dans les tout prochains mois. La gendarmerie communique sur l'affaire du vol de moutons des Ignarés. Elle rejette toute attitude partisane et indique avoir relaxé le garçonnet de 12 ans accusé de vol du fait de son jeune âge. La gendarmerie appelle au calme et à une cohabitation pacifique entre populations. Amandine Lalsaga. Un village dévasté, des cases décoiffées, des traces d'incendie. Voilà ce qui reste de Pusuziga, un village cosmopolite situé à 4 km de Zignaré. Tout serait parti d'une affaire de vol de bétail avec la mise en cause d'un jeune homme de 12 ans, Daouda Diallo. Du fait de son jeune âge, celui-ci a été relaxé par la gendarmerie. D'où la colère de la communauté Mouaga qui s'est insurgée et a saccagé les concessions des éleveurs. Les victimes ont été relogées ici, dans la cour de la gendarmerie de Zignaré. Ils sont allés s'en prendre à un enfant. Il n'y a aucune preuve qui indique que c'est cet enfant-là qui a effectivement volé. Le monsieur a dit que lui, il a vu la couleur de la chemise de l'enfant. La population dit qu'il manifeste parce que la gendarmerie a pris un voleur et relaxé. Ça, c'est purement faux et ça relève de la désinformation. Il y a le fait qu'ils disent que le gouverneur et moi avons pris parti dans le conflit, ce qui est purement faux. Ils disent que moi je suis Peul, je ne suis pas Peul. Dire que le gouverneur a envoyé la gendarmerie aller brûler les concessions, ça aussi c'est de la désinformation pure. Nous avons reçu une réquisition pour aller maintenir l'ordre dans la localité. La réquisition est là. Et empêcher que les concessions des Peul soient détruites. Et en cas d'opposition des manifestants, nous faisons usage de la force. La force là, c'est ça, c'est les grenades. Nous avons fait usage des grenades, effectivement. La gendarmerie appelle les populations au calme et à la retenue. Elle exhorte les deux communautés à privilégier le dialogue et la concertation pour résoudre les différends. Une délégation d'Amnesty International chez le président du Conseil national de la transition pour parler de l'insurrection d'octobre. Chérif Sicha a aussi rencontré des représentants de Faoué et les élèves et étudiants musulmans. Nathalie Sawadogo. Amnesty International a, dans son dernier rapport, recensé un certain nombre de personnes tuées par des forces de défense et de sécurité lors des événements des 30 et 31 octobre dernier. L'organisation avait souhaité l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale. Aujourd'hui, le représentant de Amnesty vient demander au président du Conseil national de transition d'être l'interprète pour permettre l'évolution rapide du dossier. Il y a des détenus qui avaient été également victimes de torture et de mauvais traitements lors de leur détention en garde à vue dans des commissariats de police. Donc, nous avons également demandé à ce que la lumière soit faite, notamment sur ces pratiques. Le représentant de Amnesty envisage également évoquer ces sujets avec le ministre en charge de la justice et le procureur du Faso. Outre cette question de justice, Amnesty compte mener très prochainement une campagne sur la mortalité maternelle et la santé de la reproduction. Le Burkina fait malheureusement partie des pays où il y a un taux de mortalité maternelle qui sont liées
plusieurs raisons sont avancées, notamment les retards pour les femmes et les épouses d'aller dans les centres de soins. Ce sont des sujets que nous avons soulevés dans un précédent rapport et nous allons poursuivre notre plaidoyer. La deuxième personnalité à être reçue est la coordonnatrice de FAWE. Elle est venue s'enquérir de la suite réservée à son projet de loi relative à l'amélioration des conditions de vie des filles travailleuses domestiques. Il s'agissait pour nous de savoir qu'est-ce qu'on prévoit de faire par rapport à cette loi. En ces temps où il y a pas mal de priorités, notre crainte c'est que cette loi ne soit pas adoptée au plus vite. Le président nous a rassurés qu'ils prendront des mesures pour faire ressortir cette loi et ensemble voir dans quelle mesure le processus peut être relancé. L'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina boucle la série des audiences de la matinée. Elle est venue faire part au président du Conseil national de transition des activités qu'elle mène et solliciter son accompagnement. Demain, c'est le 1er mai et à l'occasion de la fête du travail, le gouvernement s'adresse aux travailleurs. Je vous invite à suivre la déclaration lue par le ministre en charge du travail. Travailleurs et travailleuses du Burkina Faso, comme beaucoup d'autres, notre pays célèbre demain, 1er mai, la fête du travail. À la veille de cette journée qui magnifie la valeur et les vertus du travail, en même temps qu'elle symbolise la fraternisation et la solidarité humaine, le gouvernement souhaite à vous tous, vaillants travailleurs et travailleuses de nos villes et de nos campagnes, une joyeuse fête. Cette commémoration est non seulement une occasion pour les travailleurs de faire une introspection sur les actions déjà entreprises, mais également un exercice de projection sur l'avenir. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de rappeler que ce 1er mai 2015 intervient dans un contexte tout particulier où le gouvernement, en but à de nombreuses difficultés inhérentes à toute transition, ne peut accéder à vos doléances que dans les limites de ses possibilités. Mais soyez rassurés, il demeure attentif à toutes vos requêtes, particulièrement celles exprimées dans les cahiers de doléances 2013-2014, de même que les points contenus dans les deux plateformes minimales déposées en cette année 2015. C'est la raison pour laquelle il prend minutieusement soin à préparer la rencontre gouvernement-syndicat des travailleurs prévue pour bientôt et qui, nous l'espérons, permettra de parvenir à des résultats satisfaisants pour toutes les parties et surtout bénéfiques pour notre pays. Travailleurs et travailleuses du Burkina Faso, cette rencontre constituera pour nous une opportunité de passer en revue avec vous l'ensemble des préoccupations en instance ainsi que les dossiers en cours. Concernant les engagements déjà pris par le gouvernement lors des rencontres précédentes, des actions sont déployées pour leur mise en œuvre effective. Parallèlement, le gouvernement s'active sur d'importants chantiers, notamment dans le secteur public, la finalisation des travaux de relecture de la loi numéro 013-98-AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La nouvelle loi portant statut des fonctionnaires qui sera adoptée cette année va consacrer entre autres une harmonisation des statuts des contractuels et des fonctionnaires. Dans le secteur privé, il sera engagé le processus de relecture de la loi numéro 028-2008-AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, dont certaines dispositions sont de plus en plus récriminées par les partenaires sociaux.
la poursuite de la mise en œuvre du programme pays de promotion du travail décent sur la base du tripartisme, la poursuite des négociations des conventions collectives de travail dans certains secteurs d'activité en vue de répondre aux préoccupations des acteurs concernés, le suivi de l'effectivité de l'application sur le terrain des conventions collectives déjà signées. Quant aux préoccupations liées à la vie chère, le gouvernement continuera à assurer une veille vigilante sur les prix des produits de grande consommation et, au besoin, saisira toutes les opportunités de baisse possible de leurs prix en vue de soulager un tant soit peu les Burkinabés dans leur plus grand nombre. Travailleurs et travailleuses du Burkina Faso, aussi modestes qu'ils puissent paraître, les chantiers à réaliser dans le court terme impartis au gouvernement de la transition et avec peu de moyens à sa disposition nécessitent de la part de chaque acteur ainsi que des différentes couches de la société un sens élevé de la responsabilité et du don de soi, car c'est dans la solidarité et à travers des actions concertées que nous parviendrons à surmonter le contexte difficile du moment et à apaiser le climat social. Pour ce faire, le gouvernement invite tous les acteurs du monde du travail à une synergie patriotique afin de renforcer plus que jamais le cadre de dialogue social consensuel et constructif à même d'apaiser davantage le climat social dans notre pays, condition sine qua non pour une véritable relance de notre économie nationale. Travailleurs et travailleuses du Burkina Faso, beaucoup de travailleurs sont tombés sur les chantiers de la construction nationale. Plusieurs ont été touchés, d'une manière ou d'une autre, par des événements tristes et douloureux. Pour tout cela, auquel il faut ajouter les travailleurs malades ou accidentés, les travailleurs ayant perdu leur emploi et ceux définitivement retirés de la vie active, le gouvernement de la transition éprouve compassion et sympathie. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Vive le 1er mai, vive le Burkina Faso dans la solidarité et la paix. Ce sont des propos recueillis par Yacouba Agamene et Adama Koulibaly. Et puis, le gouvernement invite les populations riveraines des sites miniers au dialogue face aux récurrentes manifestations violentes constatées, selon un communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il les exhorte à faire confiance aux autorités de la transition pour la défense de leurs intérêts. Les ministres en charge des ministre de la Sécurité invite les populations, notamment de Namiskman, au calme pour permettre l'exploitation des ressources au bénéfice de tous. Ils informent les populations de Namiskman que le gouvernement a déployé des forces pour assurer la sécurité des biens et des personnes face aux rumeurs qui font état de nouveaux actes de vandalisme. Et puis les assises criminelles programmées du 4 mai au 26 juin ont été reportées à une date ultérieure. L'information a été donnée ce soir par le ministre de la Justice, un quiproquo entre la cour d'appel et le barreau de Ouagadougou serait à l'origine de ce report, a dit Joséphine Ouédraogo, journaliste, dans une conférence de presse ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 34% des industries de tourisme sont dans la restauration. Parole du ministère en charge du tourisme qui renforce les capacités. Le ministère forme pour relever le niveau de la restauration et faciliter l'accès aux touristes. Zalissa Sanfour. La qualité des mets et des services proposés par les restaurateurs de tourisme est un facteur d'attraction des touristes. C'est le constat que fait le ministère en charge du tourisme au Burkina Faso. Et pour qu'ils contribuent davantage à l'essor du tourisme, le ministère a décidé de les réunir autour d'une même table et de les former.
Dans le cas du Burkina, nous estimons que 34% environ des recettes du tourisme vont dans la restauration, c'est-à-dire le restaurant et le bar. Et ça équivaut pour 2013 à 23 milliards de francs CFA. La part de la restauration est extrêmement importante pour le tourisme, pour l'attractivité globale d'une destination. On ira dans un pays où on sait que la qualité de la restauration est au rendez-vous. Et c'est pourquoi nous faisons cette opération pour amener les restaurateurs également à élever le niveau de la qualité de leurs prestations. Malgré cet apport considérable, ce secteur demeure très peu organisé. Et à l'issue de cette séance de sensibilisation, cela devrait être un vieux souvenir. Aussi, le ministère promet classifier ses restaurants en fonction des étoiles pour faciliter l'accès à tous les clients. Une formation pour restaurateurs et une autre pour les guides de chasse. Ils étaient 19 au total à apprendre de nouvelles techniques pour exercer le métier. Cette formation est une première en Afrique de l'Ouest, selon les organisateurs. Lambert Soma. Sur ces 51 000 hectares qui composent la zone de chasse du Pama Centre-Sud, coexistent de nombreuses espèces animales. Si tout semble se passer ici sans grands accrocs, c'est sans doute grâce au travail des guides de chasse qui veillent à l'équilibre et à la pérennité des espèces. Cette formation de 10 jours qui s'achève vient à point nommé dans l'optique de les mettre à niveau. Cette formation revêt pour nous une importance capitale dans la mesure où il s'agit de faire face à des attaques d'animaux sauvages et en ce moment-là, l'erreur n'est pas permise. Différents modules ont été abordés durant cette formation. Nous avons d'abord abordé les modules de la gestion cynégétique et la gestion durable. Nous avons également fait des modules sur la zoologie, sur le braconnage, l'antibraconnage, les médecines d'urgence, la mécanique d'urgence, la géographie, l'orientation boussole, carte GPS avec carte, des différents caps à prendre, etc. L'intensité des cours théoriques et pratiques n'a pas entaché la détermination des apprenants. On s'est rendu compte qu'avec cette formation, nous avions des lacunes que nous sommes en train de combler. Et nous sommes maintenant prêts pour porter très haut le flambeau de la faune au Burkina Faso. J'ai été formée à équilibrer, respirer, être calme et posé et viser. D'autres pistes de collaboration sont en vue entre l'Association des chasseurs professionnels de France et leur partenaire burkinabé dans le domaine de la lutte contre le braconnage. Ce sont au total 8 guides de chasse nationaux et 11 expatriés qui ont pris part à cette formation qui a coûté 33 millions de francs CFA et qui est sanctionnée par l'obtention d'un brevet. Les avantages et inconvénients des OGM présentés au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Les OGM utilisés au Burkina subiraient des vérifications sur la santé humaine selon l'Agence de biosécurité. À ce jour, seul le coton OGM est autorisé dans le système agricole burkinabé. Ismaël Diloma Sirima, explication. Cette rencontre de Dori, voulu par Plan Burkina, les partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires, CV un cadre pour faire le bilan des activités du projet dénommé BFA 0303. 12 mois durant, ce projet a contribué à l'accès des besoins de base en eau, hygiène et assainissement, l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des réfugiés maliens et des communautés de la zone du Sahel burkinabé touchées par le conflit du Mali. Nous sommes là pour faire le bilan des points positifs et des points aussi négatifs et d'apporter des solutions idoines aux points négatifs pour d'autres projets qui pourraient venir. Plan Burkina, initiateur et maître d'œuvre du projet, a été financé par le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne avec la contribution des plans Allemagne à plus de 250 millions de francs CFA. Outre l'appui des réfugiés de Mentawo dans les Soum et de Goudbo dans les Séno, les communes de Dori et de Djibo ont bénéficié du soutien du projet en matière de construction et d'équipement des salles de classe, des latrines et des formations des enseignants sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Au niveau de la sensibilisation des réfugiés concernant l'assainissement, est-ce que ces activités ont un impact? Parce que c'est vrai que le projet a une durée de vie,
mais il va falloir aussi savoir est-ce que après ce projet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont continuer à appliquer effectivement ce qu'ils ont appris tout le long du projet? Les bénéficiaires ont salué l'initiative des plans Burkina et ont souhaité la reconduction du projet pour le bonheur des populations. C'était là un reportage sur Plan Burkina qui fait le bilan d'un de ces projets au Sahel, comme vous avez pu le rectifier. Il était question d'amener les acteurs à tirer les leçons sur les points aussi bien positifs que négatifs et d'en faire des recommandations pour les projets futurs. Un reportage signé de Claude Ouedraogo. Nous reviendrons sur le reportage d'Ismaël Diloma à Sirima dans la dernière édition du journal sur la télévision du Burkina. En attendant, la suite, c'est demain qu'Alexis Kabori, dit Yoyo, remet sa ceinture WBC en jeu. Il doit défendre son titre face au Béninois Fatiou Fassinou. Les deux ont été soumis ce matin à une visite médicale avant la compétition demain à 21h. Yacouba Ouedraogo. 54 kilos pour Alexis Kabori, dit Yoyo. 53,800 pour Fatiou Fassinou. La norme requise, 55,338 kilos maximum. Tout est OK côté poids pour le combat de boxe international WBC, catégorie super coq entre le Béninois Fatiou Fassinou et le champion en titre, le Burkinabé Alexis Kabore Dioyo. Les boxeurs, ils ont déjà donc, ils ont respecté les poids. Donc c'est le niveau de la pesée. On va faire maintenant les lectures des règlements, le rules meeting. Et on attend que demain, que le meilleur gagne. Il faut s'assurer que les boxeurs sont bien portants et le passage devant le médecin est obligatoire. Pas de souci à en croire le docteur Francis Lilou. Ce matin, on a eu la chance, les deux boxeurs sont aptes pour pouvoir boxer. Mais il y a quand même des différences d'appréciation dans la condition physique qu'on voit à travers cette visite médicale. On peut dire que globalement, on va voir des combats qui vont être assez difficiles à mon sens. Presque 10 ans que Yoyo est champion dans la catégorie et son challenger Fatiou Fassinou estime qu'il doit maintenant céder la place aux autres. Yoyo a déjà fait un bout de temps dans cette catégorie, donc il faut qu'il quitte la catégorie pour que moi je reste, vous voyez, non? Donc moi si je reste un peu et puis je le quitte comme ça, il n'y a pas quelque chose définitivement dans la vie. Le Béninois se devra encore de patienter car Yoyo n'a pas encore fini de relever ses défis dans cette catégorie. Ça fait au moins 9 ans que je suis champion, depuis 9 ans. Je pars dans ma 10e année maintenant. Mais je n'ai pas encore tout accompli dans la catégorie parce que je suis 8e actuellement, 8e mondial. Mais actuellement, je vais être au moins numéro 1 mondial avant de partir. Et cela passe par une victoire demain au Palais des Sports de Ouagadougou à partir de 21h. La une des quotidiens à présent, les assises criminelles et la présidentielle au Togo sont les sujets qui font la une des quotidiens burkinabés, lus pour nous par Jacques Lamissa Tarbaga. Les premières assises criminelles après l'insurrection d'octobre ont lieu en début mai, mais il y a un couac, l'observateur Palga nous apprend que les avocats veulent prendre ces assises en otage. Les avocats commis d'office exigent des honoraires de 300 000 francs CFA par dossier. L'État, de son côté, table sur la rémunération officielle de 100 000 francs. L'Obs rappelle en sus que la rémunération d'un avocat commis d'office était de 50 000 francs par dossier. Bien d'autres désaccords entre les magistrats et les avocats existent, relève le journal. Ce sujet suscite des commentaires dans d'autres parutions. Notre Temps parle des dossiers phares de ces assises que sont l'affaire Ousmane Guiraud, ancien DG de la douane, et l'affaire du caporal Alphonse Lompo, accusé d'avoir assassiné sa copine en 2013. Si les Burkinabés attendent de voir le dénouement de ces deux dossiers, il faut souhaiter que la justice ait les mains libres, pense Notre Temps. Le quotidien estime également que le jugement des interpellés récemment doit fendre l'armure des impunités. Mais ce scannage doit être fait au mépris des chapelles politiques. Pour le quotidien d'État Sidoya, à l'heure où un vent nouveau souffle sur la justice burkinabé, le slogan « Plus rien ne sera comme avant » prend tout son sens et le dénouement des deux grands dossiers donnera plus de crédit à la justice.
Revenons à l'observateur Palga qui jette un regard sur l'actualité au Togo. De quoi s'étonne-t-on encore? Fort, l'homme fort du Togo a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Le match est plié, circulé, il n'y a rien à voir. Voilà donc la chronique d'une victoire annoncée selon la vieille dame. Malgré les empressements pour proclamer les résultats, le vin est tiré et il faut le boire jusqu'à la lie, estime l'observateur Palga. Le journal pense que même si l'on décide de verrouiller les mandats au Togo, Faure peut encore se donner un bail sur 10 ans au regard du prétexte fallacieux que la loi dispose pour l'avenir. Le pays, lui, estime que la tenance démocratique est crucifiée. L'éditorialiste donne ses raisons. Le refus de Faure d'opérer des réformes politiques, élément précurseur d'un complot, le caractère précipité de l'annonce des résultats. La commission électorale proclame les résultats alors que seulement 15 procès-verbaux ont été validés sur 42. Le troisième fait troublant, selon le pays, est lié à la présence du président ivoirien au Togo. Il s'est automandaté pour jouer Monsieur Bonsoffice. Douteuse et incontestable, l'élection présidentielle l'est au Togo, postule aujourd'hui au Faso. L'édito explique pourquoi Faure a remporté les élections. La topographie électorale chez le voisin est toujours régionale et ethnique. Il y a eu la fraude et chaque camp en a usé. Ce sont les moyens qui diffèrent. Et puis la présidentielle à un tour est un véritable gourdin pour l'opposition et du pain béni pour le tenant du pouvoir. En définitive, Faure a bénéficié de la prime au sortant à plein régime. À noter que les assises criminelles dont il était question dans la revue de presse de Jacques Lamissa Tarpaga ont été reportées à une date ultérieure. L'information a été donnée par le ministre de la Justice ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Rendez-vous tout à l'heure pour la dernière édition du journal La Synthèse de l'actualité. À demain.